Road trip réussi, c'est souvent le road trip qu'on a conçu soi-même. Passer du temps à penser à son futur road trip, c'est déjà effectuer le voyage une première fois. Des formes de road trip, des modèles de road trip, en fait, il y en a autant qu'il y a de motards. C'est pourquoi dans cette vidéo, je voudrais vous faire découvrir en quoi un road trip est réellement une aventure personnelle et vous proposer une approche pour bâtir son road trip, ce en trois étapes. La première consiste à définir le type de road trip qui est le vôtre, la durée, le nombre de kilomètres journaliers, vous le faites en groupe, vous le faites en solo, quelle est la destination qui sera la vôtre, est-ce que vous avez envie de visiter, etc. La deuxième étape, c'est réunir toutes les informations qui vont vous permettre de construire le road trip lui-même. Alors, comment réunit-on l'ensemble de ces informations? Où les trouve-t-on? Et enfin, une fois que l'on a tous ces éléments, eh bien, il reste à construire le road trip lui-même sur papier. Quel type de voyage? Il est essentiel de définir les paramètres de votre voyage. Il y en a plusieurs, la liste que je vais énumérer n'est pas exhaustive. Tout d'abord, la durée. Je dispose d'un week-end, je dispose d'une semaine, je dispose de 20 jours, voire plus. Le second, c'est la destination principale de votre voyage. Je vais visiter une région. Par exemple, la Lozère, je vais faire la route des Grandes Alpes. Ah, j'ai envie de parcourir l'Italie, la Croatie, le Monténégro et de revenir par le sud de l'Italie. J'ai envie d'aller au Cap Nord. Il y a la Norvège, la Suède, la Finlande. Le troisième paramètre, c'est le rythme de votre voyage. Et c'est un paramètre tout à fait essentiel. Quel est le kilométrage journalier qui me convient? Pour cela, je vous suggère de faire un test par vous-même. Partez de chez vous pendant au minimum 4 à 5 heures sur des petites routes et à votre retour, regardez quelle a été votre moyenne kilométrique horaire. Ça vous donnera déjà une indication perso. Dans le rythme, il y a aussi les étapes. Est-ce que je suis prête à faire une étape différente chaque jour? Est-ce que durant mon voyage, j'ai envie de passer deux, voire trois nuits dans une même étape? C'est aussi un choix qui est important. Le point suivant, c'est est-ce que je voyage en solo ou est-ce que je voyage avec une passagère, un passager? Est-ce que je voyage solo ou est-ce que je voyage en groupe avec d'autres motards? Le dernier paramètre, même s'il peut y en avoir d'autres, c'est l'envie ou non de préparer le voyage. Certaines personnes souhaitent partir totalement à l'aventure. Dans ce cas-là, c'est pas la peine d'aller plus loin dans cette vidéo. D'autres personnes aussi n'ont pas le temps de préparer leur propre voyage, leur propre road trip, et pour cela se tournent vers une agence de voyage qui propose un package clé en main. Si vous avez envie de préparer votre propre voyage, je vous propose que nous poursuivions ensemble. Vous savez maintenant avec qui vous partez, pour combien de temps et vers quelle destination. Il s'agit donc de recueillir l'ensemble des informations qui vont vous permettre de construire, de finaliser votre voyage et notamment établir la liste de vos incontournables, les villes par lesquelles vous souhaitez passer, les parcs nationaux que vous avez envie de visiter, les routes que vous voulez absolument emprunter, etc. Pour cela, il existe beaucoup d'outils, à commencer par les magazines.
Par exemple, voyage à moto, qui est certes souvent consacré à des voyages dans les pays qui se trouvent à l'autre bout du monde, mais qui néanmoins présente aussi des articles très intéressants sur des voyages à effectuer en France et en Europe. Vous avez aussi Road Trip Magazine, avec par exemple dans ce numéro un voyage consacré à la Calabre et toute l'Italie du Sud. À ne pas oublier les guides. Le Petit Futé propose par exemple une édition spéciale pour les motards afin de découvrir la Corse. Et vous avez l'incontournable que vous connaissez, le guide du routard. Mais surtout, n'oubliez pas de ne pas négliger les cartes papier. C'est vrai que maintenant qu'on a des GPS, on les oublie. La carte papier, c'est celle qui permet de tracer son itinéraire et d'effectuer en fait un premier voyage bien avant de partir. Dans ces cartes, par exemple, moi j'utilise une carte consacrée au massif alpin qui couvre plusieurs pays d'Europe, puisque c'est la France, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, et qui permet véritablement de préparer un voyage avec l'ensemble des cols alpins, une vision de tout le massif. Carte sur l'étranger, la Grèce, carte qui m'a permis de réaliser un magnifique voyage aussi au Maroc. Et puis, notre bonne traditionnelle Michelin, qui cet été, juste après le confinement, nous a permis de découvrir la Lozère. Au-delà des magazines, des cartes et des guides, pensez aussi à Facebook. Dans Facebook, vous avez des pages extrêmement intéressantes. Je vous en cite notamment trois. Les amoureux du voyage moto, nous irons au Cap Nord, route et beaux coins de France à moto. Là, il y a des partages d'expériences sur des voyages. Vous pouvez interroger, poser des questions à tous les abonnés de ces pages. Il y a des échanges qui sont tout à fait passionnants. De la même manière, et là vous êtes sur YouTube, bien entendu sur YouTube, vous allez trouver de nombreuses vidéos réalisées par des motards qui ont fait des trips en France, en Europe ou ailleurs dans le monde. D'ailleurs, vous trouverez sur ma propre chaîne les quelques voyages et les balades que j'ai pu faire en France et en Europe notamment. Sur Google, n'hésitez pas aussi à penser à interroger, par exemple, vous visitez une région, quels sont les incontournables de cette région. Maintenant, vous savez où vous allez, vous avez l'ensemble des informations, vous avez défini vos incontournables. Tournons-nous vers la réalisation du road trip lui-même. Voici l'exemple d'un road trip sur 20 jours où l'on est passé en Italie, en Croatie, en Bosnie, au Monténégro, en Albanie. Bien entendu, on n'a pas visité chacun de ces pays de fond en comble. Non, on a été vers des destinations, vers des lieux que l'on voulait absolument voir et qu'on avait au préalable identifié. Par exemple, ici en Italie, puisque pour aller en Croatie, on passe devant, on a décidé de passer une journée et demie à Venise. Arrivé en Croatie, la première région que l'on voulait visiter, c'était la région de l'Istrie, qui est absolument magnifique. Et là, on a décidé d'y consacrer 2 jours et demi sur place. D'ailleurs, vous voyez que on n'a rien prévu du point de vue kilométrage moto, parce qu'on s'est dit que c'est sur place que l'on allait voir exactement comment on allait visiter cette région. On s'est laissé cette liberté. Ici, par exemple, à Split, on a décidé de consacrer une journée au large de Split pour visiter à moto l'île de Bra, qui est absolument magnifique. Ensuite, puisqu'on n'était pas très très loin, on s'est dit, tiens, ce serait vachement intéressant d'aller visiter la ville de Mostar en Bosnie, qui est vraiment chargée d'une histoire très très récente.
Et puis pour rejoindre Dubrovnik au sud de la Croatie, on s'est aperçu que c'était très sympa de passer par les montagnes du Monténégro, d'où cette incursion dans ce pays. Et pour revenir, finalement, on s'est dit, on va reprendre le bateau parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide. Et on s'est aperçu que bah, c'était une bonne opportunité de le reprendre en Albanie pour rejoindre l'Italie. Donc on a passé 2 jours en Albanie. Sur ce parcours, vous distinguez aussi les fameuses étapes de liaison. La toute première entre Marseille et Plaisance, bon, ça présente vraiment pas grand intérêt. On n'a fait que de l'autoroute, ça nous a fait gagner énormément de temps. De la même manière, au retour entre Parme et Marseille, on a décidé d'y aller d'une traite, là aussi par l'autoroute. Voilà. Comment je suggère d'écrire les points clés d'un road trip. J'espère que ces informations et cette approche vous seront utiles et surtout qu'elles vous donneront des ailes, je devrais dire des roues, pour vous lancer dans la préparation de votre futur voyage, de votre futur road trip. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires au bas de cette vidéo si vous le souhaitez et aussi de poser des questions auxquelles je répondrai bien entendu avec grand plaisir. En tout cas, merci et surtout, bon futur road trip.